vient de se faire vite pour 15h. D'accord. Bon, allez, c'est parti pour la quatrième partie. En vrai, je sais pas, mais apparemment, les IP boost, ça va. Les IP boost vont devenir des XP boost à la prochaine saison. Apparemment. Allez, c'est parti. C'est-à-dire que maintenant, que chaque fois que je suis au tournoi, je vais, même si je gagne pas d'RP, c'est worth it parce que je gagnerai de l'XP. Alors, où en étions-nous? Ah oui, nous avons fait la partie avant d'aller à Florence. On va compléter les coffres. Alors, qu'avons-nous? Là, nous avons rien. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi tu... Allez, c'est parti. On va prendre un poney. Non, on va prendre un cheval plutôt. Et c'est parti, au galop. Direction San Gimignano. Pour terminer les coffres et partir après à Florence. Pour terminer le reste. Toscana, allez. Oh sérieux, ils ont mis Donald Trump dans un animé. Lequel? Lequel? Je sais pas, mais je veux savoir. Ah, ça c'est Bob Lépon, c'est pas Donald Trump. Aïe. Alors, la carte de San Gimignano. Alors, comment il y a le point d'observation? Beaucoup trop. Lol. Non, il est trop classe pour Trump. Vers Florence, ok. Allez, masturbation de manette. Bon, ben, allez, c'est parti pour tenter de dévoiler les coffres. Oh, ça me donne tellement faim. Vai, vai. Nope. Il est là. Arrête. Ah, bonjour, monsieur. Troisième. Arrête de me lancer des cailloux, toi. Joli cap. On tirait un coup de mort. Tiens, meurs. Aspetta. What the fuck. Tiens, meurs. Ah, le bruit du cheval là. Oui, j'ai compris, t'as juste éternué. Oui, j'ai masturbé ma manette assez fort. Je suis sûr de moi. I'm a founder. Oh yeah. Oh putain. Oh my god. Ça me fait souffrir. Andiamo. Allez. Monte Olivino Maggiore. Fondé en 1313 par Benaldo Tolomei, l'abbaye de Monte Oliveto Maggiore était soumise à la règle bénédictine. Les moines bénédictins constituaient le courant religieux dominant de l'époque. Ils se consacraient à la paix, à la prière et au travail.
et vivaient au sein de communautés autonomes qui coexistaient avec les gouvernements locaux. La plupart des terres de la région de Sienne dépendaient de l'abbé. Son autonomie. Oh, oui, là, c'est l'abbé, voilà. L'abbaye, non. Ouais, l'abbaye, voilà, c'est comme ça. Son autonomie impliquait la gestion de recherches considérables. Par chance, Bernardo Tolomei avait étudié le droit et à sa mort, les activités de l'abbaye. De l'abeille. Ouais, mais j'arrive pas à le comprendre. Était particulièrement fructueuse. Bonjour. Ah, ça me rappelle trop de bons souvenirs Assassin's Creed 2. Allez, c'est parti. Hop. Il est fou, assurément. Il est fou, assurément. Ah bah écoute, je grimpe les ah toits. Ah oui, ça me fait rappeler Assassin's Creed 2. Hein? Quand j'étais petit, genre, à chaque fois, genre, c'était un mème entre potes, c'est que dans Assassin's Creed 2, genre, à chaque fois, quand tu faisais des trucs, genre, les gens, ils disaient « Il est possédé par un démon !» Oui. Genre, c'est trop épique, genre. C'était trop épique, ce petit passage-là. Il est possédé par un démon. Ah bah là, je crois. Je suis déjà à la quatrième partie. J'ai déjà fait séquence 2-3, j'ai déjà fait beaucoup de points de synchronisation. Et là, bon là, je suis en train... Ça me donne envie de m'acheter le prochain Assassin's Creed là. Bah l'origine, je crois qu'il sort le 27 en plus d'ailleurs. Non. Ah, j'ai beaucoup trop de choses en préparation quoi. Ouais. Attends, j'ai... Fire Emblem Warriors que j'aurais dû le recevoir ce soir, mais que ça sera que demain au final. Ouais, mais sinon t'inquiète. Ça va. Le 10... J'ai Mario Bowser Mignon. Mais ça sera. Du coup, ça. Ben, c'est Mario et Luigi RPG en version remasterisée. Ah oui, le remake du Legend of the Seven Stars. Non, pas du tout. Superstar Saga. Ouais, c'est Superstar Saga, voilà. Bah, moi, j'y jouerai pas parce que j'ai déjà joué à l'original. Putain, mais l'original, moi, tu sais ce que je faisais? Je faisais juste simplement les boss. Bah pour faire les boss tu dois faire le jeu. Non mais monter on s'appelle. Moi le pic difficulté affronter uniquement que les boss. Pas les ennemis. Enfin les ennemis obligatoires en fait. Ah ouais bah. C'était un challenge quoi. Je crois que je m'étais arrêté à... Putain par contre ça se voit quand même ça... Après... On s'appelle... Quoi ça s'appelle Popel, ouais on l'appelle Popel je crois il me semble. Et Bowser, la première apparition en fait. De toute façon, moi celui que j'adore c'est Bowser Inside Story, mais juste pour la musique du boss de fin. Oh ah oui! Ah oui, la musique de Into the Final, mais elle est tellement géniale cette musique! Oui, elle est épique, j'avoue. Dès que j'ai cette musique sur Smash Bros, je me sens plus. Ah, les petits coffres. Ah, ça c'est écrit devenons riches! Eh, hey, devenons riches dans Assassin's Creed 2. Ouais, j'ai plein de coffres à faire. Vas-y, j'ai envie de te voir faire un assassin là. Enfin, un assassinat. Eh là, dès que j'ai fini les coffres, je serai sûrement à Florence, donc oui. Vas-y. Le problème, ça sera à peu près dans 15 à 30 minutes quoi. Déjà, j'aurais pas dû perdre le cheval parce que là, ça fait quand même assez courir longuement. Attends, on peut utiliser le cheval dans Assassin's Creed 2? Bah oui. Ah je crois que c'est que dans Brotherhood. Non, tu vas pas avoir un cheval. Hein. Non, par contre, les plaines sont tellement vides et moches. Ouais, mais bon, c'est bien, mais ce jeu, moi j'aime bien, c'est parce que ça a posé les fondations. C'est pas parce que c'est moche que c'est forcément mieux. Ça a posé les fondations, quoi. Alors, le prochain coffre, il est là. Merde. Oh, pour te faire problème, faudrait que je finisse le remake, là, Shadow of Valencia. Valentia, j'arrive pas. C'est pour une fois que le mot se prononce à la française, je le prononce à ce que je pense être en anglais, c'est chaud. Ah, c'est moche. J'arrête pas de dire Shadow ou Valentia alors que c'est Valentia, mais c'est. Ça fait tellement pas anglais. 4 ça fait tellement je français, vole Valentia, quoi. Je vole les passants. Merde, je me suis manqué. Tiens, vol, au vol. Comme ça qu'on devient riche, on vole.
Il y a quelqu'un qui m'a proposé pour Flex XX, mais il est pas dégueulasse, mais je pense pas qu'il soit assez bon. Ah, un coffre jaune, ça, ça rapporte. C'est dommage, en plus, je crois que c'est le joueur d'ADC. Ça rapporte. Tu veux essayer ou... Attends, bah, je vais demander combien ils sont. Il est platine, oh, mais je sais, je connais son niveau quand même, il est meilleur que ça. Attends, j'ai reçu un autre message là, de je sais pas qui. Qui c'est? Attends, j'ai 3 messages, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vite, faut que je fasse pas gap de spa, je pense, là, j'ai envie de voir ce qui se passe. Ah, je vais avoir un cheval à récupérer, ça c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? You want 3 versus 3 now. Mais putain, mais pourquoi y'a tout le monde qui me... Ah, t'es trop... Il me casse les couilles! Eh, t'es un joueur à 3v3, t'es trop populaire, qu'est-ce que je te dise? Non, mais je veux dire, c'est des gens... Justement, c'est des gens à qui je monte bien en 3v3, mais... C'est trop tard! J'ai pas le temps de passer challenger à moins qu'on le fasse vraiment tous les jours, des games comme ça. C'est la vraie. Je peux pas leur faire confiance pour être là tous les jours. Pourquoi? Les gens, ils me demandent tout le temps quand c'est pas vraiment possible, quoi. C'est vraiment casse-couille. What the fuck? Just because you're trash doesn't mean you can do great things. It's called a garbage can. Moi, j'appuie sur N, moi. Oui! Oh mon dieu! Oui, je suis le cheval! Ouais! Putain, déjà 18 points synchronisés 73! Mais j'avance assez vite! Normalement, le jeu Assassin's Creed, tu le finis en quoi? En 24 heures de jeu, allez! Allez, hop, ok, boum! Si tu t'en rappelles plus. Attends, je vais quand même demander au gars là qui est platine. Oh, flex, sec. Bon, par contre, il parle anglais, c'est juste le truc. Bon, je sais pas du coup si on venirait vocal. Qui sait? Juste mettre avant à celui qui m'a demandé pour 3-3, puisque de toute façon il est une queue, donc ça devrait changer à sa vie. Lui mettre avant. Voilà, 19 points synchronisés. Oui! Ok. Ah, le petit coffre qui est caché par là. Bon, après, en vrai, il y en aurait tellement, même si on est en sérieux, quoi. C'est ça qui est un peu débile, mais. Oh le bâtard. La Villa Salviati. Ayant fait fortune grâce aux bonnes relations qu'il entretenait avec le pape, l'archevêque Francesco Salviati, qui caressait l'espoir salut d'Arquise, nommé à Florence, s'offrit cette vie toscane 1464. Il passa plusieurs années à la rénover dans le plus pur style toscan, tout en complotant avec la famille Pazzi pour prendre le contrôle de Florence. Avec un agent aussi chargé, il eut la peine de tenter sa demeure avant d'être exécuté. Cependant, les archives historiques indiquent qu'une fois la conspiration déjouée, Salviati aurait échangé sa tunique d'archevêque contre les vêtements d'un ami de Florence. Ces années auraient été lynchées à la place de Salviati, qui en aurait profité pour prendre la fuite. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Roux? What the fuck? 100% c'est vrai, ouais. Oh mon dieu! Ah,
Moi je passais par là déjà. Enfin. Oh mais c'est une horreur. Regarde l'image en Big Sandwich la toute dernière, quoi. What the fuck? Non mais regarde, plus tu regardes, plus ça devient pire. Ouais, je t'ai mis une aparté. C'est quoi ce bras en fait? Mais tout, genre, elles ont tous un truc, genre. Au début, tu sais, je regardais pas, je me dis c'est un truc normal et puis je regarde. Bah, moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est la théière et le bras, clairement. Mais non, mais la théière, en fait, c'est pas mal. Par contre, attends, c'est qui ça? C'est Cendrillon, je vois pas. Elle a quelque chose? Oh là! Attends, Cendrillon, elle a rien du tout, on est d'accord? Je crains pas, non. Je sais pas, le bras, c'était le plus visible, là. Pardon. Dieu que puissant, j'ai rien fait de mal. Notre vie ban. Oui. Je voulais marquer ban à la base. Vous êtes ne sois pas ban. Je suis désolé. Voilà. Denis, il est là ou il est mort? Perso, tu vas perdre. Il est mort. On n'a pas pu le réanimer. Il est mort. Ah bah attends. Ah oh, c'est du génie. Goul enterré. En parlant de Denis, voilà. Goul enterré. Ouais, bah, moi. Voilà. Il est foutu. Cette attitude ne vous mènera nulle part. Je sais pas, j'ai dit ça au pif. C'était même pas. Mais je sais, c'est Marceau. La colère divine finira par s'abattre sur là-bas nous tous. Ah d'accord. Qui fait ça? Qui fait ça? Vous allez me laisser, oui. Les dieux me viennent en aide. Oh non! Oh non! Pas Morgana Horn! Oh, non, pas mes deux cancers! T'as le counter de mon perso et t'as Horn, putain! Non! Oh, je vais pas l'aimer cette game! Et Azir, c'est pas super fun non plus à jouer contre. Et du coup, il aurait eu raison de ban Azir en fait. Je pense que c'est quand même assez fort, c'est surtout pas fun. Mais putain, mais je déteste leur team. Attends, il reste quoi comme lane là? Le jungler. Attends, qu'est-ce qu'il pourrait bien mettre comme jungler bien cancer? Allez, pour toi, il y aurait Zac, mais en vrai, j'arrive pas à penser à part Séju. Que j'ai ban. Donc. Ah bah mais c'est marrant, ils ont ça. Ok, donc ils ont sérieusement là une team qui me donne envie de les fracasser là. Comme une team cancer.
Le team combinant des persos que je déteste, plus le perso que en jungle que Haru déteste, donc... Ah, qu'est-ce qu'il déteste Haru en jungle? Zach. Qui? Zach. Zach. Oui. Le Shundam. Alors, je vais te faire la liste des persos que je déteste en jungle. Jarvan 4, Gragas, Zach, Vi, Kayn, Juali, Rammus... Ouais, bon, tu détestes les top tiers, voilà, entre guillemets. Voilà, tu détestes les top tiers, j'avoue. Voilà. Bah, non, Vi est pas vraiment top tiers, même si elle est bien casse. Oui, et Zach non plus n'est pas top tiers. Hein. Ils étaient top tiers quand même, à un moment donné. Bah, comme presque tous les persos, tu connais beaucoup de persos qui ont jamais été top tiers, moi j'en connais pas. Si. Qui? Moi. Dire Orn, il est pas officiellement, mais vu comment il est. Il est pour le moment, moi. On va dire Orn, on va... Orn, il est trop récent pour être compté. Vas-y, dis-moi un perso qui n'a jamais été top tier. Attends, qui c'est qui n'a été jamais top tier exactement? Sur les 100 et quelques persos. Bonne chance, franchement. Ou quel est le perso, quel est le perso qui a été toujours top tier et qui restera toujours top tier? Oriana. Non, Yasuo. Non, sa sortie était vraiment dégueulasse. Je peux battre, mais non, Oriana, c'est le seul perso et elle aussi depuis la saison 1 qui est pique en permanence en pro play. C'est vrai. Le seul. Enfin non, c'est peut-être pas le seul, il y en a un autre. Il y a Anivia, mais elle on l'a pas beaucoup moi quand même. Hop. La clean, ça a cancel l'ultime de Malz ou pas? J'ai un doute. Non. Pourquoi tu te poses cette question? Non, c'est une suppresse. Y'a que 4 suppresses dans le jeu, donc. Non, arrêtez de me lancer des cailloux. Mais arrêtez de me lancer des cailloux! Bordel! Bordel, ils m'ont fait perdre du temps ces gardes! C'est quoi tous ces pings en fait là? C'est un chicken! Il t'a dit de commencer au chicken! Vas-y, t'as une Nuxana qui te coule donc viens là, viens. Il spawn quoi encore? J'ai attendu les deux secondes et je suis mort. Fuck this. Quoi mais... Ah le altap qui bug complètement, what the fuck. Oh non, flex. Quoi c'est... T'es parti donc... Wouah, les soldats du play ils sont trop sticky. Ils sont trop sticky. Oui. Qu'est-ce qui se passe en botlane déjà là? Mais... What? Qu'est-ce que mon personnage a fait là? Qu'est-ce qui se passe en botlane? Attends, ils ont pris ma zone. Est-ce que jungler? Ah, c'est dingue. J'aurais tellement espéré que ce soit le Zach là que j'ai eu hier là. Ce mec bien pourri là qui a une trop grosse gueule. Temps dépassé. Oh là, ils ont pris toutes les zones, mais non. En plus c'est Zach donc à mon avis mon invade il va pas me marquer. Attends quoi? Oh putain j'ai oublié que j'avais commencé au Raptor. J'étais en train de me dire pourquoi je suis pas level 3. Est-ce que ça suffit? Quoi? C'est une blague! Donc ok, donc apparemment Raptor plus bleu plus crabe ça te manque 3 d'XP pour level up. Pourquoi t'as pas fait un raid? Je sais pas, non mais j'ai oublié que j'avais commencé un Raptor, mais... Du coup là, j'ai essayé de me faire le crabe là pour passer le vol 3 et il me manque 3 d'XP. Mais c'est casse-couille.
Oh, il est déjà en train de faire massacrer ou top. J'irai vous mid. Je crois pas qu'il ait assez pour faire AE. Hein. S'il a assez, c'est bullshit. Ok, il vient de level up. Ce level up est juste dégueulasse. C'est pas comme s'il avait pas flash anyway. Oui, voilà. Mais bon. Alors, on va faire deuxième crab. This is Patrick! Got your memes. Ah. So that's good. Look at this going on. Oubliez pas de voir ce bouche là, il y a un petit Zach qui est aux alentours. Je suis à une minute de jeu de nuit. Là, il était au gond puis il est descendu, donc je sais pas s'il est parti back ou s'il est en train de camper le boche. J'avais la flemme de jouer là. Ah. Les sbires sont à ouais, j'avais raison. J'ai vu le nom du nom qui a attrapé le cancer. Oh. Well, we're done. Ouais. Pourtant, on l'avait vu et tout. Oh, Katarina. Ah, c'est du dommage, j'ai manqué. MDR, lui, que t'as fait appel à la force. C'est ce qu'elle dit. And force! Luc. The force is. Ça m'énerve, j'aurais poussé le noir des touffes pour le Zach là, ils se sont quand même fait choper. Lighting the way. C'est vrai que je regarde Ark Star Wars. Oh! Lequel? Hop. D'abord, tu regardes les 36 millions d'animés que tu as dit que tu regarderais. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est bête de dire ça, mais on se serait bien qu'il va pas le faire. Faudrait que je fasse regarder Rogue One à Mark Sou là. Oui, j'avoue que ça quand même. C'est un peu un buzz là. Parce que tu fais un Star Wars en 360, c'est pas. Ouais, c'est vrai. Excuse-nous, notre seigneur. C'est censé être. Enfin, je sais pas si. Ouais, s'il te plaît. Petite princesse quoi. The Force Awakens, je l'ai vu en 240p et pour la merde que c'était, franchement, je regrette pas d'avoir regardé en 240p. Pourquoi tu l'aimes pas le set? Je trouve que ça. Oh putain. La merde. Je trouve que c'est abusé de dire que c'est de la merde, c'est juste qu'il se passe pas grand chose. C'est pas le meilleur. Non mais je veux bien. Non mais tu vois, moi je vois ce que tu veux dire. J'ai pas une opinion sur les gens qui disent vraiment c'est de la merde. Tant putain. Genre, je veux dire qu'il y a rien de spécial. Genre. Non, il m'a. Ah, franchement, le plus. Tu veux dire c'est le 4 dire. Non, pas du tout. Non. Ça c'est l'opinion des gens qui sont fermés. Mais Mais où? Mais où il va? What? J'ai jamais dit que c'était une copie du 4. Crève. Non, t'as clairement dit, ouais, t'as dit c'est nous, tu vas dire c'est un truc du 4. Pourquoi ce remake du 4? Parce qu'il y a Reddit. C'est pas un remake du 4, hein, mis à part qu'il y a la paix, ça. Oui, oui! Parce que c'est vraiment oui, que le tour de plus pour que ça vienne. C'est ça qui dit ça, moi je perso, je pense pas ça. Vas-y, Wukong, oui! C'est le bail de base. Ah, par contre, je me sens mal, j'ai donné Killer Horn. J'ai pas envie que. Ah, une seconde! Moi, je sais pourquoi ils ont fait la base Star Killer et pas une autre. Jamais dit ça. Mais. Je t'ai posé la question, mais du coup, tu. Non, t'as pas posé la question, t'as dit tu vas dire ça. C'est pas du tout la même chose que de poser la question. C'est. Bah, je sais pas, t'aurais pu faire comme moi et ne pas écouter ce qu'il disait. J'aurais pas dû écouter ce qu'il disait. Tu sais pas, en vrai, j'ai pas fait exprès, mais j'ai rien d'entendre. Mais putain, mais ils vont arrêter de mourir là! Oh la vieille. T'as mais leur mort de merde, t'as pas posé une question, je suis en train de te dire là, t'as posé une affirmation, c'est pas du tout la même chose. Je t'ai dit c'était. Enfin, qu'est-ce qui te dérange dans le set? Mais quoi, mais. Est-ce que ce mec est. Est-ce que ce Zach est déjà level 6? Ils y peuvent rien, mais concrètement. Arrête de me cesser! Il ruine totalement ce pourquoi Star Wars est fait à la base. Genre. Parce qu'il est très seul, les petits fans de batailles spatiales, etc. Mais Star Wars, c'est pas que ça, quoi. Bon, concrètement, le film, c'est quoi?
C'est genre, c'est un équivalent Michael Bay avec plein d'explosions à toutes les sauces, on te laisse même pas le temps de réfléchir, quoi. Donc je suis désolé, mais oui, évidemment, tu vas être satisfait si tu le regardes pour les graphismes et les batailles, en effet. Mais c'est pour la storyline, je trouve que c'est atrocement pauvre. Genre, mais... Il y avait rien de spécial. Genre, si tu veux du QQ à toutes les sauces, oui, évidemment, tu vas être satisfait, mais... Pourquoi le 5 et le vol 6, what the fuck? On va savoir s'il est honnêtement très décevant, genre, il place rien. Non, moi, c'est ça le truc, genre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait rien, en fait. Il est creux, donc... Après, oui, en plus, genre, je veux dire, Ray, comment dire... Alors, déjà, toi, tu vas sauter, c'est... Comment dire... J'ai kiffé le principe du Stormtrooper qui se rebelle comme personne. Ouais, non, mais c'est ça, genre, c'est le point positif du film. Mais après, justement, genre. Pourquoi Rey est un personnage aussi passif? Pourquoi est-ce qu'on met tant en avant le fait qu'elle doit attendre quelqu'un on va dire que. Rey. Ça se voit que le réalisateur a voulu mettre en avant le fait que Rey attendait quelqu'un pour sur la planète. Bonsoir. Je suis sûr quelle planète c'était. Ah bon. Mais au final, tu vois, qu'on la fasse changer d'avis d'un seul coup, c'est comme si en fait l'élément c'était de base un truc important et que en plein fin de film le réalisateur il s'est dit ouais. Mais finalement, on peut le laisser passer, quoi. Moi, ce que je trouve OP, c'est que le perso, il est broken un peu de Rey. Après, de quoi? Le perso de Rey, il est un peu trop fort, genre. Non. Pour battre un méchant... Tu connais pas ses affinités avec la force, et puis... Et après, Kylo Ren, il est au début de son entraînement avec... comment il s'appelle? Comment ça va sinon? Avec Snoke, ça va. Ça va bien. Genre, je regardais une vidéo et genre, c'est la comparaison. Rey, c'est un peu comme Sangoten dans Dragon Ball Z. Tu veux dire un personnage qui a du potentiel mais qui sert à rien? Non, je veux dire un personnage qui, par exemple, qui est. bâtard, il a tellement descendu, le pauvre perso. Mais mec, attends, rends-toi compte, tu vois Sangoten et Trunks là, dans Super par exemple. Qui servent à que dalle. Non, pire, ils ont 14 ans. Comment c'est, ils ont 14 ans? Ils ont 14 ans, t'as vu la taille qu'ils font? Son Gohan a 11 ans, c'est pendant les Cell Games, hein. Je tiens à vous dire la différence. Hein. Oui, non, mais je sais. Son Gohan a 11 ans. Les deux petites merdes, ils ont 14. Enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, genre. Oh, une page de contexte. Enfin, Son Gohan. Et rien que tu vois dans le trailer, tu sais pas qui sont ses parents, pourquoi son affinité avec la force est aussi grande. Bah oui, mais c'est ça la question, pourquoi? Bah voilà. Tu peux pas dire qu'elle. Bah, quand ça parle de Rey, que ça parle de la force, ça a pas beaucoup de chance. Hein. Tu peux pas te permettre de dire qu'elle est trop forte, alors que tu sais pas pourquoi. Mais on parle de la force, y'a qu'un seul truc dans lequel où y'a la force. On parle de mathématiques. Bah, dans Star Wars. On parlait de. Bah, ouais, y'a que dans Star Wars qu'on dit de la force. Ouais, mais enfin, lequel le 7. Le quoi? Le 7. Bah, le seul où on voit Rey pour l'instant. Celui avec Rey. Celui par Disney. 7. Avec la meuf là et le black. Exactement. Ah d'accord. Bah le quoi black, non, il est black hein. Il est black. Bah c'est le seul où on voit un noir donc en soi. Enfin. En personnage. Lando Calrissian, je viens de lui cracher dessus là. En personnage principal. C'est un personnage principal, t'es un fils de pute si tu dis pas que t'en es pas un. Qui? Lando Calrissian. Genre tu vois pendant tout le 5, mais genre tout le 5. Ouais c'est vrai, mais ouais j'avoue oublié en fait. Attends lequel? Lando, tu vois là, tu sais là le sur la cité des sur la cité volante genre. Ah oui Lando. Comment ça s'appelle? Je me retape le Star Wars au jour parce que ma mémoire est absolument. Un peu l'ami d'Han Solo quoi, c'est ça? Mais oui c'est le pote de Han Solo. Ouais voilà. Le pote de toujours dans la cité des ciels. Tu le vois pendant tout. Ouais tu viens de lui sauver la vie. Tu le vois pendant tout le 5. Je pense que le 5 c'est celui que j'ai le plus oublié des trois.
3. Pourtant, il est archi bien pourtant. Je suis déçu pour ce Broom qui a pas de l'assist par contre. Genre le 4, je m'en souviens pas. Il est en 0-5 et notre patelin est en 0-8. Bah, en gros, ils se sont fait gank par Zach alors que j'ai mis une ward exprès pour les aider et ensuite ils se sont attends, fait. Attends, mais vous étiez pas avec vos potes c'est moi qui... Il est là. Ah, ok, vous avez lancé à 5. Ah oui, 0-8. Qu'est-ce qu'il y a avec Audrey? J'ai quelque chose pour lui, une surprise. Vas-y. J'espère que c'est pas une gnotte, il va te refaire un cancer. Oh le bâtard, c'est quoi cette trash talk univers? Mais où? Mais pourquoi il me répond pas? Il est connecté mais il répond pas, je suis triste. Parce que... C'est parce qu'il sait que c'est toi. ah d'accord. Pardon, c'est qui? Je suis énervé ce soir. Voilà, non mais je veux dire... Je suis une merde, c'est bon. Oui. Pourquoi il m'a ward dans le chat, je veux dire, la façon dont ils ont introduit Ray est pauvre. Voilà, c'est... Enfin, le début est bien, mais... Ouais, c'est qu'elle fait. C'est bien, il présente son existence, nanana et tout, mais... c'est quand même assez pauvre, quoi. Mais après, j'imagine que ça s'éclaircira dans lui, étant donné que tu découvres... J'espère que tu découvres son passé. Parce que franchement, s'ils font pas ça durant le 8, c'est vraiment des enfoirés. Hein. Mais ils vont le faire dans le 10 et ils vont te dire t'as qu'à regarder 18-7. Oui, mais... 18... Parce que là, en fait, c'est juste que... le 8 a été pauvre. Le 7 a été pauvre en... Le film qui n'est pas encore sorti a été pauvre. Non, t'as presque fait une nonan. Oh, ferme ta gueule. T'as presque fait une nonan. Ça, mais elle a cette dernière seconde et ça, je pouvais rien dire. Bah, après, de toute façon, pour faire un nonan, faut que tu flush in. Ouais. C'est pas comme si j'avais mal visé, quoi. C'est juste FG. Bon, rip la tour. Oui. Tu sais que ma dernière vie. Tu sais que vas-y. Vas-y, laisse, excuse-moi. Je t'ai coupé la parole. Ma dernière victoire en ranked, c'est avec Shogat. Antoine, c'est quelle touche pour parler déjà dans. Trop putain! Tant pis. That was massive. Ah merde, c'est pas V? Non, pas du tout. Oh, ce... B, oh, X, je sais plus. Attends, t'es juste. Oh, je vais pas exagérer. Oh, ce combo qu'on vient de se prendre! Wow! D'accord. C'était vachement sale. Bon, par contre, j'espère que Soazir il va questionner sa vie sur ce flash ultime que je viens de lui mettre. Par contre, j'espère que je vais pas être trop TP. Track me, guys! Damn it! J'ai trop joué à Fortnite là. Aïe, ça fait mal. On est dedans, on a bien. Alors. Mais le virus là, il a géré en vrai. Bon, par contre, Zach Fed, c'est jamais marrant. Non, une de mes morts qui m'a bien pété les couilles, c'est quand même que je suis allé à son raid en étant level 4 et lui il était level 6. J'avais 2 sbires d'avance sur lui, il avait 2 levels d'avance sur moi. Va te calmer aussi, Caitlyn, là. S'il te plaît. S'il te plaît, arrête de me cheese. Ah, d'accord. Oh, d'accord. D'accord. Counterplay, hook. Un Zach qui te met un petit smite comme ça, c'est l'amour. Bon. Putain, mais non, j'ai dit. En fait, j'ai trop peur de PUBG, ça me fait trop peur. Je déteste quand les coffres ils sont en haut. Quand t'es tout seul, des fois ça peut. Ouais. Genre, à chaque fois, je crie quand je me fais tuer. C'est encore plus. Ça fait plus peur qu'Outlast. Hein, qu'est-ce qui est plus peur que Outlast? Bah, énormément de jeux. Outlast, c'est super mainstream, c'est ultra populaire pour des bonnes raisons, mais il y en a qui font beaucoup plus peur. Ah oui, non, genre je crois que ça, fait, c'est quand même, ça fait quand même. Resident Evil, ça fait, c'est pas vraiment. Je trouve que c'est plus un truc aventure entre guillemets que jeu d'horreur. Hein. Quoi? Je sais pas vraiment, c'est alors, pas aventure, alors... mais c'est pas vraiment. Si, c'est réalisé, ok, donc si j'ai peur à Resident Evil, ça ah là là. Non, le jeu est censé faire peur, mais c'est pas un jeu entier. C'est pas un jeu qui est là que. Salut Gwendal, bienvenue dans mon stream. Je veux dire, l'horreur pour moi c'est un bonus dans ce jeu comparé à d'autres. J'avoue, Naro, pourquoi tu fais pas des jeux d'horreur? Ouais, donc hein? Des jeux d'horreur? Pourquoi t'es merde, what the hell? Des jeux d'horreur?
Je suis pas, je suis, alors c'est pas ma tasse de thé, mais vraiment. Moi alors je déteste, je ne jouerai jamais au jeu d'horreur, par contre j'adore regarder les jeux d'horreur. Même si t'es avec des plusieurs potes, genre, enfin des gens. Donc tu parlais à moi ou à Naruto? Ouais, à toi. Non mais moi c'est juste que c'est pas mon genre de jeu, c'est pas le genre de jeu que j'aurais envie de jouer. Par contre franchement regardez ça c'est pas kiff. D'accord. Je te jure que moi aussi j'aime pas, mais quand j'ai joué l'autre jour chez Dave là... C'est même pas parce que j'ai pas envie de, que ça me fasse peur ou quoi, c'est juste ouais, c'est je trouve ça, je sais pas, si je veux jouer à un jeu c'est pas ouais, non, mais je vois c'est ça que j'ai envie de jouer quoi. Oh putain il y a TP. Parce que même si tu joues, t'as plusieurs voilà. T'as quand même peur mais... Ah ouais. Bon, je l'ai tué aussi non. Alors je dis, qu'est-ce qu'il fait là-bas? En plus là je l'ai vraiment, elle était tellement au bord de ton What. Elle lisait les mines. Ah, j'ai lu le truc d'avant. J'aime les rangs. Oh dommage, c'était un peu trop tenté. Quoi Quoi Je sais pas. Ça sert à quoi d'avoir un cercle si ouais. Pourquoi t'es en dehors, tu te le prends quand même. Strictement rien. Ça me casse les couilles. Genre, j'ai l'impression qu'il y a presque. Je dis, il y a presque aucun spell qui a un cercle et qui est représenté la hitbox. Denis. Oui. J'en suis encore en train de déverrouiller les coffres. Mais ça sert à quoi? En fait les coffres c'est pour le 100%. Ah. Ah putain ouais. Ah ouais parce que je me le tente à 100% en fait. C'est compliqué. Arena. Ouais ça va être compliqué. Ah. Ce buff de vitesse. Je peux pas blâmer ce ultime mais quoi. Regarde. Le général. Quoi? Ah ouais, tu fais quoi? Ça marche pas. Quoi? Ah, elle vient de se faire one shot. Il vient de se faire one shot. Sinon, June. Attends, là. Il a dit coucou à tout le monde. Oh salut, June. Oh, j'ai la révélation. Qui a dit salut? Oh damn, le Z de Horn ça bloque pas le team de Skarner, mais c'est magnifique. Ça t'as l'air de bonne humeur. Ah ouais, si ça bloquait quand même, ça serait pas... Ça serait que les entrées, genre. Ça serait un peu trop gênant. Tu me fais yo et tout, et là, c'est là, t'as dit que... Alors, voilà, on est au niveau des coffres. On a presque terminé, hein. Eh, mission courrier. C'est un peu comme toi avec les pseudos, quoi. Waouh. Oh là, le son un peu en retrait. Pourquoi est-ce que la tourelle d'Azir a de la mana? Par contre, June, c'est quoi ton image? La tourelle d'Azir a de la mana. Qu'est-ce que c'est cette farce? C'est cette deux personnes là, qui s'embrassent. Alors, elle a 120, mais... Deux personnes de type masculin. Bah oui. Ah non, c'est une fille, normalement. D'accord. Non, j'aime pas... Enfin, comment on dit qu'on a volé? Sauvé par le gong. Je suis triste. Audrey, il enlève le dessin que je mets. Oh, c'est un bâtard. Ou la cité. T'as pas vu le dessin qu'elle a mis? Non, j'ai pas pu le voir. J'ai mis d'un côté. Envoie-le-moi. C'était non, mais c'est en gros, c'est une sorte de. Je sais pas en vrai ce que c'était comme des. Ce que c'est sorti. Oui. Oh voilà. Je vais juste imaginer la vision d'horreur. Tu sais, pense à Star Guardian Urgot. Envoie-le-moi. Allez, on fait la mission courrier. Mes potes ils m'ont aidé, genre t'as mon pote, il m'a aidé à faire la jupe, et t'as mon autre pote, il m'a proposé à mettre du blush et tout. Très bien, j'aime beaucoup. Il sera le nouvel avatar du serveur pendant deux jours. Oh oui, oh merci Aruna, je t'aime. Attends. Je vais l'enregistrer dès que j'ai fini ma game, parce que cette Star Guardian. Et voilà. Je vais voir la Star Guardian Outrine, je me rappelle déjà. Juste vu une tête. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore qu'on fera déverrouiller? J'ai juste vu une tête avec des cheveux, alors ça c'est la base. Bah non, il y a des chauves. Bah oui. Attends, je l'ai envoyé à Maurice. Pas très gentil de dire que c'est la base. Bon ben, ouais, ça là je suis en train de déverrouiller les coffres, Gwendal si tu veux. Et après, on continuera la suite de l'aventure. Carrément. Seuls les gardes sont au-dessus des lois. Moi j'attends de voir la suite. Rien ne nous empêche de voler d'avance. Drop by. Prince or Prince, sure. Execute Bolt 66.
Je savais pas que c'était possible d'être en 06 aussitôt avec Broom, apparemment. What? À combien de minutes de jeu? 20. Ouh, c'est sale quand même. Bah écoute, notre Varus il a 7 morts, il est en 3-7-3, la botlane s'est fait trouer. Hein. En gros, notre botlane est en 3-13, youpi. Tu sais qu'est-ce que j'ai eu moi? Bah même nous, on faisait pas 5. En vrai, la vie de la Morgana, tu la tues pas? Je sais pas où elle est. Là, elle vient d'avoir le régène. Elle vient tellement vite, quoi. Ouais. Elle vient d'avoir le truc qui la régène un peu, sinon elle était ultra long avant. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Oh, il a raté. Oh, il a raté. Non, mais arrêtez de lui donner. Putain, le Azir il va tout trouver là, je le sens. Donc je lui fonce dessus. Vous le butez. Alors, ce chaîne cessé. Bah, je crois que je pute. J'ai bien fait d'aller sur l'Oasir. Ouais. Avoue que mon destin il est pas si mal. Me renvoyer vite fait. Attends, non, mais envoie-le au Pix and Vite et Haru dira au Dream de pas l'enlever. Non, mais. Non. Elle est là avec 0 PV. De toute façon, Aruna, ils veulent mettre comme. Oh, on dit merci le slow qui vient de lui niquer complètement sa glory. Mange-toi un autre CC. Mais regarde-le comment il prend, il faut 3 heures pour le tuer là. Putain. Ouais, bon, il est un peu. Yeah, that's a good work. Keep going. Genre, la tête elle est un peu grosse par rapport. Ouais, je sais, c'est une merde, mais pareil, c'est l'intention qui compte. Ouais, j'avoue, t'as un garbage, tu sais. Garbage de sac. Ferme ta gueule. Denis, comprends à l'envers. C'est génial. Tu peux trouver ça génial, c'est un crétin. J'ai mon ultime en 2 secondes. 3, 2, je vais pas flash ultime pour un mec solo non plus. N'oubliez pas ce que j'ai appris. Je vais t'expédier en enfer. Suffit. Oh non! Oh la crêpe! Ah oh non, le seum! Les gardes ils ont fui! Les gardes ils ont fui face à moi! N'importe quoi, épique! Putain, bon, c'est casse-cou que tu me touches. Est-ce que. Oh merde, la zone elle est derrière moi. Oh la pute. Oh. MDR, ouais. C'est du génie. C'est du génie. Elle a vraiment fait un frozen mallet, la Caitlyn là. What? Reine des putes un peu. Putain, mais j'ai les Caitlyn. Bon, par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont full AP. Mais qu'ils ont. Le mec qui est bien fait, c'est l'AD. Hein. Ah, ça c'est moche. Mistakes on improve your train. Ça sert à quoi cette control ward à part être pété dans moins d'une seconde? Putain, elle est tellement bête. Quoi? 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 Arrêtez! Quoi? Quoi? Peut-être que Lux soit bonne. Bah, arrêtez de me cesser, c'est pas possible! Quoi? Arrêtez de me cesser! Mais. Qu'est-ce qu'il fait le Wukong? Qu'est-ce qu'il fait le Wukong? Tu fais le singe. What? Bon alors ils se sont fait catch comme des grosses merdes mais j'ai pas bougé pendant 5 secondes. Je rigole pas. Le combo que je me suis pris E2Zac, A2Zac, ultime de Zac, ultime de Horn, trappe de Caitlyn, cage de Morgana. J'ai pas bougé. Antoine, je fais des cascades de ouf avec mon JP. Heureusement que j'ai ça et heureusement que j'ai 40% ténacité parce que je ne les ai pas tentés du tout. Antoine, je suis en train de faire une course poursuite. Avec mon JP. Like we started to. What the fuck, on est trop. Bon bah, du coup, tout ça a été provoqué par Broom qui a posé une des meilleures control wards du monde dans le couloir ici. Très bien poussé. Damn. Il est sérieux? En train de faire une course poursuite, Antoine.
Attends, ce sera quoi l'item cancer? Le prochain item cancer qu'ils vont reprendre? Ils ont Nightfall, ils ont Frozen Mallet, ils ont une gargoyle, allez, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui pourrait se faire là? C'est bon, la Caitlyn lui manque déjà qu'un item, elle est full stuff. Oh, c'est le moment où je vais pas bouger pendant 3 heures. Elle est en 12 kills. Exactement. Elle a 12 kills. Qu'est-ce que tu t'attends? Exactement. J'aime bien là, j'ai vu Morgana. Ok, c'est bon, je suis mort. Eh ben ouais. Rien à faire là-haut. Va-t'en. En vrai, c'est absolument impossible de dodge. Je suis en train de faire gaffe. je sais pas comment. Le pire, c'est que sur le manteau de ces arcs-là, on y a marqué gaz. Genre. Je lui dis ça au cas où il le saurait pas, parce que ça a un peu un counter énormissime à Horn. Il a juste appuyé sur son E et il va bloquer le. Ces remèdes traditionnels sont... Le bélier. Il pouvait pas, Euro, c'était trop demandé. Antoine. Il avait pas de team en tout cas, Alvarus. Putain, c'est la FM. Parce que tu sais, je passe le pont pour rejoindre la ligne militaire. Ah. Mais il y a des pistes. Oh, mais ils sont tous morts à chaque fois. Là où... Oui, oui. Nos deux carrés sont morts là. Enfin, nos deux botlaners sont morts. Arrête d'aller aussi vite, toi. Du coup, bah. J'ai pris un peu cher. Oh, abandonne, Filio di putana. Oh, j'ai pas hit. Oh non. Il recharge vraiment la fin de game là. Mais. Rattrapez-le. Je suis obligé de l'ultime sinon je meurs. Putain. Quoi? Tu décèdes. Quoi? Mais. Ouais, pendant ce temps, ils sont en train de péter un tour du Nexus. Mais regarde-le, il prend un point de dégâts. So they had to greed for it. Wait for it. Paris stupide! Ou alors? Un pari stupide alors vous livre. Denis. De quoi? Un pari stupide où il livre. Allez. Mais il est où le coffre? Non. Parole, le truc est plus chiant à récupérer, c'est les plumes. Non, il est tout en haut le coffre. J'ai des frises là. Non, il est tout en haut. Ouais, trop bien, non, tu doules. Les veilles top lane purge. Le bon cancer. J'ai jamais vu un truc aussi cancer de ma vie. Pourtant, j'en ai vu des choses en top lane, mais là. Veille pure. Malheureusement, t'as pas vu la chose en top lane parce que c'est toi qui la joue. Non, j'ai déjà affronté des Nasus, t'inquiète pas. Mais j'ai pris un autre champion encore. Un champion très débile. Garen. T'as envie là, hein? C'est une Morgana. Ah, Enscarel, ça fait. J'ai pas trop envie de faire flash ultime, enfin surtout que j'ai pas flash, mais pour me le faire bloquer par Black Shield. C'est moche. C'est ah ouais, mais en plus elle a un horn, du coup, même si elle est presque full stuff, elle peut encore s'acheter l'infinite qu'elle vient de faire, mais oui. Il avait vraiment pas besoin de la bloquer celle-là par contre. Poum. Wow. C'est de la merde, Stan Gage. C'est pas moi, c'était de la grosse merde. Est-ce qu'il est vraiment en train de danser alors que... Le respect est mort. Le respect est en prison. S'il te plaît, Varus, fais pas ça, fais pas ça. Y'a le Zac qui est juste en train de camper le bush là, il va toucher le Varus, il va mourir. Je te le dis directement, 3, 2... Ok, d'abord il se fait trop le cul, là il a chargé son E. Bon, attendez, je me mute. Je commence à manquer de mana. Bon, tant pis, elle tape moins. Putain. I guess this had to happen. Eh, voilà, je l'avais dit. Je l'ai dit, hein.
Ensuite, il y a lui, voilà, 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 on meurt tous, et voilà. Tu me suis fait one shot par le Zac et le... Voilà, 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 et voilà, 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 voilà. Ça va, Destin, le voilà. Et voilà. Insane. Alors, une nouveauté, non, alors qu'ils ont gagné. 20 morts. Quoi? Ils ont 20 morts sur 37 à eux seuls. Ah. T'as pas encore eu pire. Est-ce que tu as eu une bot lane et mid lane à 2v9 réunis? Sauf que là ils étaient 3, nous c'est notre bot lane uniquement qui est déjà qui est en 3v1. Oui non mais la bot lane mid lane. Et la bot lane moi j'avais pareil. J'avais 2v1. Bon. Il y en avait Vayne, Sona et Zerat. Je t'ai dit. Comment tu veux qu'on avance si nos teams sont comme ça? Je t'ai dit, il y a des jours où je comprends pas. Les gens, au lieu de critiquer le stuff, j'ai oublié de regarder au PGG. Pour ça. Qu'est-ce que tu crois? La Florence, on... Bon, au moins, on a perdu qu'on reçoit pour celle-là. Ils ont bien compris qu'on... Attends. Moins 11. Ils étaient quel rang? Ils étaient quel rang pour qu'on chope du moins 11? Si le peu, je veux bien savoir. Vas-y, je vais regarder. Attends, Varus. Ah, j'ai regardé pour le... Déjà, Varus, je vois qu'il est platine 1 solo queue. Platine 1 solo queue. Mais Azir était diamant 4 en solo queue, mais c'est son smurf. Donc lui, il est platine 1, et je regarde juste ceux de ma team. Hein. Ouais. Et qui l'autre? Alors, le... Le Wukong. Il était diamant... Attends. Diamant 5, 0, LP... Voilà, et le gros mousquilé, lui ça devait être le pire. J'ai mal à croire que c'est un smurf. Diamant 4 en solo, en flex sec sec et diamant sec, 0 LP. Diamant 5, 0 LP. Combien de personnes pourries est-ce que je suis allé voir qu'elles étaient diamant 5, 0 LP? Vraiment? Arrêtez parce que moi aussi je le suis là. Mais toi, mais... Il y a un moment, tu vas devoir faire une solo queue pour ne pas être d'emote. Bah, j'ai déjà fait il y a deux jours. Ah bah ça va alors. Bon, du coup, on avait même pas une team si pourrie, donc je comprends pas pourquoi on a perdu aussi peu. Parce que nos mates étaient pourris. Bah, si c'était le cas, alors on gagnerait pas de plus 16. Bon. God damn it, dude. T'es déconnecté du coup? Je sais même pas pourquoi j'ai testé, mais là... La flemme de relancer tout de suite. J'aimerais bien regarder des animés, mais comme ce fils de pute de Marceau, tu vois... Bah ouais. Allez, on a carrément fini la Toscane. Putain, ça a été long. Je vais pas tarder à attaquer la quête principale. Ou pas. Le théâtre antique romain. Héritier du théâtre antique grec. Avec lequel il est en commun à structurer le théâtre antique romain était populaire dans tout l'Empire. Comme l'atteste de nombreuses ruines encore présentes. La théâtre antique romain était généralement construit avec du béton, un matériau qui ne fut guère utilisé à la Renaissance, pour la seule raison que la recette avait été perdue. L'agencement en arc de cerf favorisait l'acoustique permettant aux spectateurs d'entendre représentations, discours et chants dans les meilleures conditions possibles. Tu as remarqué l'absence de marbre à la Renaissance, italienne pratiquait une forme de recitage qui consistait à piler les édifices romains dans leur marbre pour le réutiliser dans de nouvelles constructions. D'accord. Très bien. Belle histoire. Bon. Ah oui, c'est ça pour une séquence qu'on s'appelle là. Séquence générique. Effectivement. Séquence générique.
Ouais, enfin, c'est quand c'est mort. Attends, je comprends pas ce que c'est censé être pour con. En fait, l'émission, quoi, la mission principale. Voilà. En gros, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme coffre? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 2 points d'observation et on pourra aller à Florence. Non, faut que je fasse tout le tour, fais chier. Bouge-toi. 15 000 bien. Oh non. C'est un truc pour grimper là ou pas? Non. Et merde, fais chier, faut que je rentre dans la ville. Ou pas? Si. Non. Alors, pardon, pardon. Bon, ça va, j'avais un coffre ici à dérouler, de toute façon. Oh, un coffre jaune. Ne soyez pas timide. J'ai envie de tomber avec un mec aussi nul sur ce moi je pense. C'est bien jouer avec des gens pas très forts de temps en temps mais. Oh. Secondes, j'ai pris un pour 100. Waouh, très intéressant. Ouais. XX. Là-bas. Non, là-bas. Il est là-bas. Vite. Je ne dois pas le laisser filer. Je le vois. Là-bas. Tu t'amuses avec Neo, là? Ouais. C'est vraiment toi le meilleur. Bien.
Allez hop. Putain, on monte à cheval. Ah, Antoine. Oui. J'ai fait top 8, mais j'ai fait ma pute, genre. Mais ça fait chier, la zone, c'était la pire zone du monde. Genre, c'était dans une sorte de montagne. Ah, du coup, t'étais en bas et ton sniper. Du coup, ils étaient tous. Et en fait, je les voyais tous, hein, les 8. Genre, j'en avais un derrière en arbre qui était un peu en bas, mais du coup, qui était caché un peu dessus. Et moi, j'étais au milieu, genre, dans une sorte de... Et je me suis fait sniper par deux personnes. Et moi, j'avais une scarelle avec 30 balles dedans. Genre, dans toute la game, j'ai eu 0 trucs, genre. C'était la merde. C'était de la merde. On peut pas. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas spectate, genre quand t'es mort. Contrairement à PV. T'as bientôt fini ta partie ou quoi? Ouais, c'est serré, mais ça va se finir. Vas-y, bah, j'arrive. Et demain, Antoine. Demain matin. Oh, l'équipe. La fameuse équipe. What? T'as le con. C'est bien que j'ai mis un peu mon son. Je me suis pris un critique à 600. Oh les gens qui se sont pris une. Je me suis pris un critique à 600, Denis. Je suis mort. Que ça? Bah oui, mais ça a suffi pour me tuer, genre. C'était qui? Sur ces 50. 60%. 70%, pardon. Ah bah, 70%. Elle m'a bien critiqué. Non, c'est une Xayah. Ah bah, écoute, normal. Ça suffit pour moi. Je suis riche, je suis riche. Qu'est-ce qu'il me fait? Showtime, genre. It's showtime! Non, faut le dire avec la voix de Bowser, c'est mieux. Showtime! Faut en fait que ce soit possible, mais c'est pas grave. C'est dans. Showtime, c'est dans. Comment ça s'appelle? Je sais pas, c'est sur LOL, il y a marqué. Get your ticket now. Get your ticket now. Oh là, il est. Ah! Oui, 478 République Florentine. Là, comment on entend tout et tout. Quoi? Il y a aucune genre
Enfin, je sais pas, genre. La sensibilité du micro est super faible. De nos articles. Oh, comment il s'excite. Putain, mais c'est aussi grand que ça, le Kazakhstan. Just what the fuck, c'est archi grand. Putain, j'ai jamais vu ça sur la map. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Oh putain. Oh mais... Le matchmaking de ce jeu est inexistant. Tomber contre la pire des meurtres, puis juste après tomber contre un mec qui est beaucoup trop chaud. C'est limite si j'ai touché une fois quoi, what the fuck. Bon. Quitte à se faire trouver le cul, autant le faire au maximum. Allez, c'est le moment de pas le toucher une seule fois de la game, go. Mais c'est impossible! Qu'est-ce que c'est que ce type? Mais what the fuck? Pourquoi il fait 10 fautes par phrase, Zodrin? Mais. Parce que. Mais c'est quoi ce mec? Il est beaucoup trop chaud! Quoi, on vient de t'enculer, c'est ça? Bon voyage! Mais oui, je tombe contre la pire des merdes et juste après, je tombe contre un mec, je sais même pas, je comprends pas ce qu'il fait! Salut, je joue pas contre lui! Tu veux consulter le livre? Alors, ah, oh putain, oui, que je vais complètement collection. Mais je comprends pas, Audrey, il a été spécialisé dans la langue en fait. C'est un mongoloïde. Non, ah putain. Non mais ce type, je le touche une fois, je suis content. Non! Non! Quoi? Non, j'ai plus. Non, putain. Oui! MDR, ça serait tellement nul si ça serait genre, je serais venu rigoler juste pour rigoler avec toi. Là. Je lui ai pris un stock, putain! Oh, y'a plein de coloniaux de. Oh, les serveurs Asie et Brésil sont maintenant disponibles. Oh! Non! Mais ça, ça existe sur Xbox One. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de te faire assassiner par les coloniales ou quoi? Tellement, il est en train de mourir. Je suis en train de me faire violer. 3, 2, 1, jumping out. Non! Yamete! Yamete kudasai! Allez! Alors j'aimerais jamais revoir la voix de Naro dans un tag, ça c'est confirmé. Non, il y avait des couleurs sales. Non. Allez, c'est parti pour la quête principale. Enfin. J'aime pas serrer les fesses comme ça. Putain. Non, je... Non, je... Oh, oui. J'ai gagné, what the fuck. C'est tellement pas mérité, il m'a trouvé le cul pendant tout le truc, je comprends pas.
je perds contre des mecs qui font n'importe quoi et je viens de battre un gars qui est beaucoup trop chaud. Mais quoi? Mais c'est quoi mon problème? Oh! Je peux pas quitter comme ça, non! Oh DM, c'est le moment de me faire arracher juste avant de partir. Albata, un centime. Je vais prouver que ma victoire c'était de la loque. Pas très gentil. Hein. Quoi? En plus, putain. Qu'est-ce qu'il y a, Denis? J'ai dit Aru. Ah d'accord. Inutile d'assister, on passe pas. Quoi? Ne soyez pas, il n'a aucune chance de passer. J'ai pas compris là. Oh putain. Je peux soigner tous les malades. Quoi? Cool. Je sens qu'on va s'amuser. Mais putain! C'est horrible! Je vais lui briser le crâne là. Non. Arrête de tourner le cul, putain! Bon, c'est fini, Denis. Bah attends, je viens de lancer une petite game sur Fortnite. Et vas-y, je vais go en mode full YOLO. Non, fils de pute, va, il m'a volé mon nom. Non! Je l'ai vu venir en plus, ça a quand même marché. Quoi? Oh non, le chien il a ouvert le corps. Oh damn! Bah j'ai un headshot mon gars. Oh damn. Oh yeah. J'ai lâché un... Oh! Oh yeah! Je rejoins le tournoi. Putain! Hop smack! Non! Ça c'est un tailleur. Ah putain, j'en démarre. Je me fais tellement blesser, c'est pas marrant. Arrêtez-le, c'est qui ce type? La San Lorenzo. San Lorenzo, qui abrite les tombeaux de tous les Médicis, serait l'église la plus ancienne de Florence. Elle fut consacrée en 1030. 393, alors même que si tu tiens dans la scène warrior de merde. Michel-Ange réalisa la façade intérieure tandis que Filippo Brunelleschi, à qui on doit la coupole de Santa Maria del Fiore, dessina les plans de l'édifice, mais le célèbre architecte mourut avant la fin des travaux et le projet initial fut considérablement modifié. Avec pas moins de 50 tombeaux, la crypte des Médicis aurait pu... Je me rappelle quand j'ai écrit l'histoire en son cœur le 5 crépuscule Christ. Cependant, toutes les tentatives plus ou moins légales pour la rapatrier de Jérusalem échouèrent. Ce qui prouve qu'un banquier peut tout acheter sauf l'intégrité. Monsieur Follin nous disait qu'il fallait apprendre avec des jeux comme Assassin's Creed. Ah, ouais, mais. Attends, j'arrive, Antoine. Après, l'histoire d'Assassin's Creed, c'est pas. C'est. C'est. C'est, pas... c'est trafiqué. C'est. Voilà. Pff, c'est... Tout ça marche. Alors attends, il y a un... Vas-y, lance Antoine. Un petit... Par là. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Du coup, vous avez win ou vous avez lose, Antoine? On a lose. Ah merde. C'était tellement serré, genre. Mais bon, ils ont fui de la Xayah, genre, c'était insane. Oh, triste.
après ils l'ont pile et voilà quoi. Comme tout à l'heure dans notre game. Genre attends, Agaya elle a fini en 18-7. Ouais c'est mieux bien. Puis au top au top ils avaient une Vayne avec 438 CS, du coup elle faisait le taf aussi. Oula. Quoi? Est-ce que je viens d'entendre le mot Vayne top? Est-ce que je viens d'entendre le mot Vayne top lane? Ouais. Putain. Le cancer. Le cancer absolu. C'est une game de 51 minutes pour ça. Genre les deux teams avaient plus de plus de tour de Nexus, genre c'était insane tellement c'était serré genre. Mais... Alors. Non. On a fait deux Elder. Deux Nashor, eux ils en ont fait un Nashor. Tellement serré. Allez, même cheveux que Riven, je dirais, avec ce site. Approchez, mes amis, une saignée chaque semaine. Le moyen, à lui seul. Donc il joue son perso super nul, il me trouve le cul. Par contre il joue un perso broken et là c'est moi qui le trouve. Mais qu'est-ce que c'est que... Quoi comme mission là je pourrais faire? Bon, ah putain. Ok. C'est le moment de quitter avant de me refaire trouver méchamment. Ouais, juste à côté. C'est bon, j'en ai eu assez d'avoir mes fesses explosées là. Vous êtes un grand messie. Côté vite. Ah, parfait. En vrai, je voulais jouer ici. Pour essayer d'avoir. Enfin, ne me blessez pas, monsieur. Hop, ça me suit, mes pages de maîtrise sont pas notées. Fervor ça marche toujours aussi bien sur Xil ou pas du tout? Hein, Desta? Desta? Quoi? Xil ça marche toujours aussi bien avec Fervor? Bah, sachant que maintenant Xil c'est full AD, ouais. Ok. Je me suis pas touché. Ok. Vous devrez faire preuve de plus. C'est mort. J'avais l'impression que vous étiez distant jusqu'à ce que je m'approche de lui. Pum! Pim! Assassino! What? C'est quoi ce perso? C'est bon. Quoi Antoine? J'ai jamais vu ce perso du jeu. Ça fait peut-être. Non, sans rigoler, je pense que ça fait un an et demi que j'ai pas vu ce perso du jeu. Qui? Kiaoi. Non, là par contre, je revois de temps en temps son tour. Je te jure que ça fait. Non, tu es fort, ça fait longtemps, mais. Ah non, t'exagères. J'ai jamais vu. Ça fait longtemps. Une saison entière. Non, t'as vu. Il aura pu mettre quelques boulettes. Je serai celui qui a battu l'illustre. Oh, damn! Sans exagérer par contre. Non, même pas 10 ans, j'ai peut-être 3 idoles. À chaque fois que je fais ça, mon bras il est défoncé. Mais déjà, elle a pas 2 ans, il a eu. Si, je pense qu'elle a 2 ans. Elle est sortie en défi. What? Elle est passée de la dernière. Ça fait 4 ans, je crois. Oui, je sais pas, l'année dernière, on avait des jeans. Jinx ça fait 4 ans, hein, il me semble. Quoi? Toi Jinx sorti en février 2016. J'ai dit Jinx. Ah mais je parle de Jinx. Mais tu vois, Jinx est sorti. Enfin, genre l'année dernière, on a eu des bails de Tania, Kled et Tamkel. Non, Tamkel, pas Tamkel. Non, Tamkel, je suis bien avant. C'est moi ou tous ces persos sont vraiment pas de couilles? Bah, Jin ça va, mais. Et voilà. Mais les autres.
Fichez-moi la paix, je ne vous ai rien fait. Ouhou, damn. Lui, c'est piètre. Tout ça pour une page de codex. Salut. Voilà. Arrière, assassin. Il vous en cuirait. Garde. Bon Denis. Ah d'accord, Arruda est déjà retourné sur Antonia avec son recrute. Bah bravo. Bon, bro, que nul. Bon, mais que ça va dire. Ça, c'est drôle, j'allais ban Skarner par sans faire exprès, juste après Skarner. Ouais. Elle a intérêt à être forte là, Orianna. Pourquoi? Donc, ton Skarner, tu le démolis. Hein? Parce que je voulais jouer mid et Orianna, et au final, je me retrouve top. Mais t'es fil top. Oui mais même je voulais pas vous top. Bah mais pas top, faut des sacs. Non mais genre c'était mon second rôle, genre de base je voulais mid. Ça me dérange pas non plus genre en soi. Ouais, bon. Là, sachant que je voulais jouer Orianna, que je vois que quelqu'un la joue. C'est la tristesse. Il me l'a piqué, il a trash. Il a. Comment on l'appelle? Je sais pas, on l'appelle pas. Comment ça a pu marcher ça? Vein, there is also in vain, they have it. I see. Denis, ne soyez pas timide, ouais. Je suis là pour je vais quasiment faire tous les coffres de Florence quoi. Ah ouais, toi tu es heureux. Ah ouais, non mais là c'est parti. Bon, un peu de repos. Tous les coffres de Florence, tu joues à quoi? Assassin's Creed? Assassin's oui. Creed 2. Ah ouais. Je joue à quoi? Assassin's Creed, oui. Ah. Tout le monde? Il s'appelle vraiment Cappuccino. Oh non. Ouais. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste exactement? Moi, est-ce combien de coffres avait déverrouillé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je me dis, j'ai fait tous les coffres de Florence, quoi. J'ai déjà fait tous les. Ah, même toi, Edition, il a pas de coffre. Et toi, à Toscane, j'ai tout fait. Je vais tout faire. Vas-y, je fais mon boulot et je viens. Ah, ouais, c'est vrai, c'est pas toi. Toi, t'as juste. À... Par contre, le mec, Illaoi, c'est le plus free de match-up, genre avec moi. Avec qui? Il joue Gnar. Il a eu, ça reste quand même le concert total, dans le sens où tu peux pas la grok. Oui, voilà, mais genre en 1v1, mec, t'esquives tous ces tentacules avec ton spell qui te fait dash. En fait, si tu peux. Alors, utiliser ton jump pour esquiver les tentacules, franchement, ouais, c'est misérable. Tu utilises ton escape et ton moyen de chase pour ça. C'est ça. Là si c'est très fort contre Illaoi, mais ça c'était avant la 7. C'était la 7.7. En tenue de lane je parle. Du coup c'est Skarner, putain en vrai il a manqué.
Je suis pas sûr que Skarner soit beau à votre niveau. C'est Skarner qui monte top. Hein. Pas possible que Skarner soit bon à votre niveau. Je sais pas. Desta sous-estime pas non plus quand même. Mec, tu rends pas compte à quel point le perso est faible là. Oui. Tu rends pas compte à quel point le perso est sous-joué. Donc si le gars est putain de gold ou une connerie dans le genre avec Skarner, franchement. Skarner gold il va rien faire. Hein. Faut que je mette Skarner alors, voilà. Tu m'apprends à jouer Skarner Desta? Je sais pas, j'ai envie d'étoffer mon pool jungle. Bon, je pense que je vais relancer solo parce que je pense que Haru il y a encore le temps donc revienne. Je suis pas en route. Haru fait des trucs. Encore quelques trucs de Smash Bros et. Haru fait des trucs. Quoi? Oui! Aïe! J'ai cassé mon armure. Mais je m'en fous. Parce qu'après, quand j'aurai la célèbre armure, plus rien me sera. Plus rien t'arrêtera. Bah ouais, l'armure d'attaque. Oh la luck! Elle a level up! Bah, je sais pas si tu connais l'armure d'Altaïr quoi. Oui, bah oui. Assassin's Creed 2. Cette armure est indestructible. What? What? What the fuck, elle a fait un de ses moves. Elle a flash sous tout. Elle a flash. Oh putain, je. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, il y a une Mariana qui a flash dans la. Putain, mais je sais pas comment ça s'appelle. Le W de Victor là, tu sais, le stun. Elle avait plus d'HP, elle a flash là-dedans. Le champ gravitationnel, je sais pas c'est quoi le nom. Ouais, c'est mais... Et du coup, elle a flash dedans, sous tout. Je pense qu'au pire, on remonte dans le game d'après. Ouais, je suis mort par lui. Putain, c'est trop la misère ce con. Pas le faire. Dans cette game, faut que je fasse une UE et un. Santa Maria Novella. Première basilique de Florence, Santa Maria Novella fut consacrée en 1420 alors même que sa construction n'était pas encore achevée. La partie supérieure de la façade réalisée d'après les dessins du célèbre humaniste. Léon Battisti Abelti vient compléter l'édifice en 1470. Un joueur célèbre que je ne connais pas. Cependant, les origines de Santa Maria Novella remontent à la période qui précéda les croisades et fut construite sur les fondations d'un ancien oratoire sous lequel se trouvait un mystérieux tombeau. À ce jour, celui-ci n'a jamais été mis au jour. Pour l'anecdote, une de mes citations préférées, je trouve à l'intérieur de la basilique un Christ, une fresque tombale. Je fus ce que tu es et tu deviendras ce que je suis. D'accord. Page de codex. D'abord un coffre. Comme par hasard, il y a
troué son propre perso. Ah, plaisir. Bon, au final, le Victor est du film, on l'a vu. Ça suffit. Là, je vais montrer à ce mec le potentiel du personnage qu'il joue. You win. Fatality. Fatality. Attends, il veut quitter, il m'a balancé un you win. Je crois que l'exploser avec son propre personnage après avoir fait 5 victoires, ça l'a un peu démoralisé. Hop là. Je suis incognito. Ah non. Alors... Ah non, il est pas parti, pourquoi il a mis you win? Je vais essayer de le tuer à 0%. Si, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ce perso? Ça s'appelle tellement hier, j'ai joué contre quelqu'un, j'étais à 180% et puis je le tue à 0%, ah, je me dis putain, je t'ai volé ta partie. Ouais, j'étais obligé, je me suis fait gang par scanner, j'ai dû flash out. Oh non, il joue pas Mewtwo, non, je voulais le tuer à 0%, ça marche pas sur un autre. Qu'est-ce qu'elle fait? Genre, je comprends pas les gens quand tu veux des gants qui s'avancent de ouf. Genre. Oh là là. J'espère qu'il a pas fait mon raid. Ah non, c'est un truc. Mais comment ça se fait qu'il est là? N'approchez pas. Qui ça? Mais genre Victor, il était là alors qu'à 2 secondes il était mid. Bah nique sa mère. N'en parlons plus. Alors il y en a qui pue la merde. Je ne veux pas mourir. Mais. Alors il y en a des archi nuls, hein, vraiment. Quoi ce bug? Archi nul en rien là. Voilà, voilà, va mourir. L'ultime pas, elle ultime pas, hein, else. Aïe aïe aïe, c'est pas facile le jeu. Oh non, c'est tellement triste. Fait quoi, Hidalgo? Cet avertissement concerne l'utilisation des fontaines de la République. Merci de ne pas utiliser de teinture dans les sources d'eau. Je vais me faire tuer, sinon je sors. Quelle vivacité! Ah, my bad. Attends, j'essaie de venir. Ça va être close, mais... J'ai 2 niveaux de manqué, 3 niveaux de manqué. Putain, un pôle de cul, je le prenais dans mon ult. Putain, ma pas. Elle a pas le sien du team, elle a pas le sien. Elle m'a pas. Pas bon, non. Elle avait TP ou quoi? Je crois qu'elle avait déjà TP, ouais. Tu veux qu'on me push? Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Où ils ont eu 20, putain. Je vais push un peu, on push un peu, mais tard, tu vas avoir du mal à. On peut même prendre la tour en vrai. Si elle TP pas. Ah, elle avait la scène, ok. Oui, bah. Mort-toi, mort-toi. Miss Carner. Ils sont. Ah, il est fort. Toi, tu n'iras nulle part. T'inquiète, je suis en lui. Il est trop rapide. Putain, c'est archi chaud, j'ai du dos. Tu chase là? Ouais, mais tranquille. Tu t'en sors? Ouais, je suis en lui. Mais j'ai des plantes là qui sont en train de harceler. C'est pas normal que j'ai autant de nouvelles données. Bah en fait il a oublié. Viens l'ami, viens. Assassin, attrapez-le. Mais c'est passé quoi?
Merde! Je vois un peu! Eh bien, capitano! Tu la tues? Oh, tu t'es transformé au pire moment. Mais bon. La réputation de nos armures, une affaire. Nos armures et nos. Je meurs pas avec les. Non, c'est bon. J'ai failli tuer Scanner aussi. Scanner n'a eu plus. Si, ouais. Non, mais il m'a eu le. Non, attends. Il a, je sais pas, non, il a fait son spell. Je sais pas, je confonds. Non, pourtant, les deux sont en Scanner, sont sans bras. Non, mais je sais, mais genre, ils sont. Ah ouais, faut que je TP, c'est. Il y a deux waves là. Allez, poussez-vous! Je sais pas où est là, oui, faites gaffe. J'ai plus mes TP moi ici. Tiens, meurs pour la royauté. Pour l'humanité. Oui, je suis mal. Oui, on sent la connaît. La tanique se cache dans les champs. En bas du lot, swag. Alors, ensuite. Hop, 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 là, hop, là, hop, là. Et synchronisation. Je veux Fury. Je veux un animal de compagnie avec moi. Ah, my bot. Ça me fait chier, j'ai fait de la merde. J'aurais pas dû faire ça. Meurs moi de finir ma game de squash. Je sais pas qu'il avait encore son ult Scarner en fait. Quoi? Non, je parle. Dans ma game. Le voilà! Merde! Il est là! Allez-y! Après, je vais faire un game. Quand tu invades toujours ce mec AFK dans la base. Non mais je jure que tout le monde a ce skin Riot Fist sur les wards. Je sais pas pourquoi mais tout le monde l'a. Ça doit être un bug. Personne n'avait ce skin de ward, personne. Et maintenant tout le monde l'a. Attends, est-ce que les trinkets sont censés avoir un skin de ward? Je sais plus. Il m'a fait tellement mal. Attends, est-ce que les trinkets sont censés avoir aussi une ward? Trinket quoi? Bah, est-ce que les trinkets sont censés avoir aussi une ward? Bah oui. Mais pourquoi là, tout le monde là, celui-là? Attends, ça fait quelques jours que je vois H24 alors qu'avant il y avait personne qui l'avait. Je perds ma top lane, enfin ma tour. Ouais, je sais. Je peux pas. Yo. Venir. Hello. Quoi? Haru, tu as bu? As-tu vu? As-tu vu la quenouille? Ça va, on la connaît celle-là. Je sais pas, mais tu me la montres. Qu'est-ce qu'il y en a? Rien. Ouais.
Ça, c'est trop fort le tune de Xero, vraiment. Il est trop bien dans, ce, dans certaines. Oh non! As-tu bah... vu la Halloween? As-tu vu la Halloween? What? T'es là pour nous divertir, ça? Non, maintenant, je vais te montrer ce qui me fait vraiment rire. Je suis en train d'assassiner tout le monde pour obtenir tous les coffres, tout ça. Yeah. Je suis supposé avoir vu quoi en fait? Rien. Yeah. T'as déjà vu la queue, c'est ça que t'es supposé avoir. As-tu vu? La guilde ne va pas apprécier du tout. Que tu l'as vu la queue. Attends. Oh mon dieu, on est dans l'heure où je peux regarder tranquillement. Ah bah c'est bon, j'ai tout fait. Les animés. Quelqu'un tu dois regarder avec moi. Tu finiras dans un trou. Épisode 24. Et ben non, épisode 22. Oui, non. Non. Quoi? Il n'y en a pas eu cette semaine qu'il n'y a pas. Oh, oh. Ah non, il reste encore un coffre et après on va pouvoir démarrer la mémoire génétique. Je crois qu'il reste un lit de libre. Toi, j'aurais dû faire les deux. C'est très confortable, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Il passe une carapace. Ah, il a eu les bottes de Hugo des trucs. Ouais. J'arrive. Ça sent des mythiques un bloc. Au début, je l'ai vu rentrer dans un bush, mais bon, comme on disait ce fight un peu vite fait avant, je me dis, je vais pas y aller, je vais pas avoir stressé. Au final, la tête. Attends, attends, en vrai, je peux te rentrer. Et voilà, tous les coffres de. On sait jamais. Florence ont été faits avec succès. Oh. Faut que tu fasses exécutionneur que les gars. C'est pas dangereux. Vous avez pris vos couteaux ? Vous pourrez nous servir de cible. Bravo, bravo. J'ai le Lucien Scolling. Ouais, faut vraiment que tu fasses Antoine. Colling, ouais. Ça, c'est l'ultime de Lucien, s'il te plaît. Ouais, c'est pour ça en fait, je pense. Ah, tu peux la tuer, ouais, non, ouais. J'ai envie de jouer à Dofus, j'ai envie de jouer à Blade and Soul. Moi, j'ai envie de jouer à. Putain, j'avais mon Q-spell, quoi, j'ai le seum. Moi j'ai envie de jouer à Metroid Prime 4, mais il est pas encore sorti. J'attends ce jeu avec impatience. Moi j'ai envie de jouer à Star Wars Battlefront 3, voilà. Bah le mec il y a le 2 qui vient de sortir, arrête, t'abuses. Il est même pas sorti. Même pas sorti, ouais. Ouais, je crois qu'il est pas il va pas tarder de toute façon. Bah mi-novembre. Qui Star Wars Battlefront 2? Oui. Ah oui, je crois que c'est le 18, il me semble, comme ça, je sais plus. Vous avez reçu un message, ça tombe. 17, je crois, ouais. Ça me donne tellement envie d'y aller. Putain, est-ce qu'il y a un pour toi, il aura trop le game. Allez! Elle m'a mis une auto, elle m'a fait proc le Liandry, enfin le Liandry, le DFT, j'ai pas compris. Oh, il y a une mise à jour.
Oh mon dieu, il y a des tenues trop bien débloquées. Bonjour. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bon voyage. Ender, ça s'appelle Bledengul. Comme le film... Attends. Comme le film quoi? C'est ce qu'on dit, Antoine, il fait un move. Buongiorno. Hein? Et Antoine, salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Je suis juste arrivé dans leur bac et... Connache, j'avoue, Connache, je suis pas sûr que je peux bien. Sugihara va être de retour dans la saison 4. C'est bien. Je viens de commencer une série sur Netflix de nuit, ça s'appelle Slasher. C'est des bars, c'est quoi. C'est comme si tu commences Rebelle sinon. Ouais, j'ai Ce soir. Enfin, je sais pas en fait. Enfin, ah ouais, DM. Je sais pas. Je verrai selon ce soir. Tu veux consulter le livre? Je vois. Sinon, demain ou ce week-end. Ou... Tu comprends pas. Le bon revenu, les bons revenus. Monte ça à moi. On l'a tué. Ouais. Okay. Allez. Et pour mais finir ce chapitre. On va faire de la quête principale. La réputation de nos armées. Vous avez besoin d'un avis, peu importe vos goûts. N'oubliez pas de parler de moi. Wesh, elle a ultime mon clone. Ah, mais ça m'a fait mal aussi quand même. I don't think so. J'ai démoli leur toile. Oh, je me suis pris un crit. Ouf. Si. En même temps, on a tellement Evaristan, genre. Ah, le. Oui, il est assez faible. Le... J'en étais sûr. Is 12-6. J'avais pas vu. Ah, y'a un Velcro support, j'avais même pas vu, wesh. Comment ça t'a pas vu? Je sais pas, j'ai pas réalisé que c'était. Le support. Ça fait du 20 minutes. Eh, ta gueule. D'habitude, c'est toi. Ouais, mais qui remarque moi, c'est pas. Quand on est en. On est en early game. Ouais, bah c'est l'early. Enfin, tout est relatif. Ouais, un peu tard quand même. On a des Drake au moins? Ah, c'est ça, GG. Vas-y, à l'infernal, deuxième infernal, 45 secondes. Ouais, je sais, je sais. Par contre, faut que je farme. Bon, on va te faire une petite taxe, mon petit Draven. Voilà. C'est bon, j'ai assez pour le lieu. Oh, les damage. Elle m'a one shot mais je suis tank. What the fuck. Bon, ok, un drôle.
Vas-y, je vais taper un peu là. Vas-y, maintenant je fais le rondouin et c'est free pour la mission. Et après, j'ai l'HC pour m'acheter mon orbe. Oh non, ils sont déjà morts. Oh non, ils se donnent trop. Damn, j'ai raté ma... Oh non... Bon, ils sont tous morts là, c'est un peu la catastrophe. Oh, le luck de la Kate. On me luck ou pas là, c'était pas ouf. On est dans la merde. Elle a pas d'ultime si, mais vas-y, go presser, je sais pas. Allez, vas-y. Après c'est quand même super saut mec. Faut que t'achètes un extinguisher calling toi aussi. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Je t'ai pété top. Il est où me remarque à la bague depuis un bail je pense. Que j'étais pété. Mais elle a raté sa chocouille. Enfin, elle pouvait faire mais... beaucoup plus tôt et j'aurais. C'est plus tard, je dis, elle peut faire genre, mais je sais pas. J'avais la possibilité de survivre. Mais sans plus, j'ai le temps de réapparaître. Ok, vous êtes free. Il a fait un vieux build. De... Enfin, il a pas fait un vieux build, mais il est nul, genre. Draven c'est pas fait tu vois. Oh non mec. C'est dommage. Je l'ai fait le plus tôt possible parce que j'ai vu ma vie descendre à une de ses vitesses. Et c'est passé de trucs quoi. Mec je mets des crits à 9. Putain j'ai envie de fight en capture là. Je vais faire une petite côte épineuse. Abakaba. Yaha. T'es un malade. Ah, je sens le grappe de merde. Il est juste passé. Yeah.
Voilà, hop. Oula. Bon, au final, j'arrive à m'en sortir, nice. What? Attends, je me suis manqué en fait, ok, d'accord. Et en plus, vous faites un kill, nice. Alors. Ouais, nice. Ça débloque la situation, c'est parfait ça. Yo, ça me court. Bienvenue. Turn. Oh le bâtard, c'est quoi cette technique de pute? Je te jure. Alors. Il meurt pas, hop là. En fait, il aurait dû se casser l'ultime, enfin, même pas, ça l'aurait one shot de toute façon. Voilà. Alors, non. On a 3, 2, 2, ouais, 2 clouds de... et 2 infernal. Ah, oups, je me suis complètement foiré. Alors, comment j'avais fait ici? Alors, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Bon, jusqu'à là, on est bon. Hop là. Voilà. Putain, il m'a cancel mon backlash. Alors, okay. Ici. Putain, j'ai 3. Putain, il était en 0, 1, 3. Il est en 1, 4, 7. Le truc maintenant. Il a pas bail du fait, c'est ça. Hop, hop. Mais ça, là, j'ai un bon stuff là. 3000 HP quasiment. J'ai été voilà. Méga dégâts. Ok, par ici. Par là, ensuite. Ensuite, c'est par là, hop. Va y un exécutionneur calling, Antoine. Ouais, au pire, ça. Mais... Et voilà. Hop. Hop là. Alors, quel coffre me reste-t-il à monter les journées? Tous les coffres des alentours, c'est ça? De la cité, d'accord. C'est parti. Bah écoute, pour l'instant là, alors je dis où j'en suis à peu près. Alors j'ai fait exactement la séquence 1, séquence 2, séquence 3. J'ai fait tous les coffres de Florence à l'heure actuelle, j'ai fait tous les coffres de San Gimignano. Et là, je suis en train de finir la Toscane. Enfin, je veux dire la. T'as vu le combo, mec, qu'on a fait avec Rihanna. La ville à Montelligioni pour permettre d'avoir les. Permettre d'attaquer. Est-ce que ce mec se reconnecte à 21 minutes de jeu? Quoi, un mec dans la team? Oui. Ça, c'est chiant par contre. Le mec, il arrache quitte au level sec. Me dis pas qu'il est revenu pour le. Il est revenu pour l'ensemble de Surend. Je vais le taper. Il est parti à la minute 4 pour lancer. Il est revenu à 21 minutes et il a lancé un vote de sur un. Je vais te taper. Oh, je vais nice. Te taper. Bah, j'ai les mêmes. Il va au top. Est-ce qu'il va int? Est-ce qu'il va int? Ouais, du World Tokens. Trop bien. Ah. Apparemment, j'aurais pas dû tomber de la villa. Je gagne que plus 20, wesh. Je suis en S, moi, alors que j'ai rien foutu de la game. J'ai combien de farm, genre? J'en ai 200. Putain, il s'appelle Kraken, quoi. C'est vraiment le main. Le main Illaoi, par la séance. Ouais. Ah, bah, tu normal. Kraken. C'est Jantone ou quoi? Non, c'était ma dernière. Jockey, j'ai énorme. C'est comme moi si je m'appelais Let Me Dog, Let Me Dog quoi. Ouais, je veux. Alors. Allez, j'ouvre mon orbe. Allez, c'est parti. Ton orbe. Ouah, trop bien, j'ai eu le pire skin sur Poppy.
En vrai, on a une chance de gagner parce que l'Alistar il a décidé de troll et d'aller AP parce qu'on avait un AFK. J'aime pas c'est quoi le nom français de ce skin de copine. De quoi? Elle est comment, en quelle couleur? Celle où elle a des dreadlocks bizarres. Poppy chevalier, poppy royal. Non. Avec les noms en français, ça va être encore plus compliqué. Jack, je connais pas en anglais. Forgeron. Non. Attends, Poppy, je connais Warhammer, Star Guardian et Loli Poppy. Bah, ça c'est un peu plus loin que ça. Et Ragdoll Poppy, je sais pas. C'est quoi le nom? C'est pas sûr. Putain, mais genre, hey, j'ai juré que Elise, elle a la même tête qu'un membre de la Team Galaxy, mais je sais plus c'est laquelle. Elise a la même tête qu'un des membres de la Team Galaxy. Alors là, je vois pas du alors, tout qui ça pourrait être. Alors, t'as soit Saturne, soit Jupiter ou soit Mars, alors Bah, je vais te dire ça. Je dirais plus... plus la tête du chef, en vrai, mais même, ça reste un mec et la replonge. Ah, et j'ai oublié Neptune aussi. Non, je sais plus, c'est un perso de la Team... C'est une fille ou un mec, déjà? J'imagine que c'est une fille. Oui, c'est une fille. Voilà. Tu dis ça comme si c'était fucking obvious alors que ça ne l'est pas. Bah, elle dit mais elle va où il va, mon perso? Il y a un mec qui peut avoir la même tête. Hein. Non, mais... Ça n'empêche pas non plus. Hein. Bon, moi j'y go. Bonne nuit, salut à tout le monde. Bagno. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah putain, faut voilà. Que je retrouve la tête de ce perso. Je sais plus c'est lequel. Voilà. Ensuite. Mais what the fuck? Voilà. Hop, hop là. Et ils sont là les deux coffres. Ah là là là. Allez, après ça, les coffres, on va faire un peu de mémoire génie. On va faire un peu le mémoire principal. Aïe, ça fait mal. On déjà fait. Est-ce que le mec est revenu pour dire que j'étais une grosse merde alors que je suis en 5-2-7 en 4v5? Non mais c'est pas possible. Ah mais... Ça c'est l'habitude ça, c'est habituel hein. Ah oui, ce coffre là du coup c'est... En fait... Il doit être en dehors je crois, non? Ouais. C'est bien, si je vois pas là, c'est qu'il doit être quelque part. Ouais, c'est ça, c'est pas ce que je pensais. D'accord. Aïe! J'ai cassé ma deuxième armure. C'est boche. Alors, lui. Ah bah oui, parfait. Oui, ça, il y a le coffre ici, 100%. Ouais. Oh, un coffre jaune en plus. Ah, par là. Oh, bien, notre coffre jaune. Oh, ça va encore. Je suis pas tombé mortellement. Oui, ça, je peux faire comme ça, il me semble. Voilà, nickel, hop. Alors, on est en train de rattraper cette game, on est en 29-25 alors qu'on était 4v5. Eh ouais, comme quoi des fois. Comme quoi des fois, rien n'est gagné, rien n'est perdu. C'est parce que le Jax il pue la merde, parce que je suis en train de tous les niquer. Eh ben ouais. Notre Lux était en 0-7-0, elle est maintenant en 4-8-10. Oh. Elle était en 0-7-0. Non, non,
What? What? Qu'est-ce que j'ai fait? Les bons bugs d'Assassin's Creed 2. J'ai fait ce qu'on appelle la technique du remède instant. MDR, il y a marqué. Votre MMR est inférieur à la moyenne attendue des joueurs de votre division. Votre MMR continuera de baisser à moins que vous n'améliorez votre niveau de jeu. Ouais, non. Ah, mais... ton double compte a l'air d'être assez pourri, hein. Mais c'est mon super fait, non, mais c'est parce que je joue avec Antoine. Et du coup, et j'ai, genre, je suis en 7-8 victoires d'affilée, hein. Mais c'est juste que comme je joue avec lui qui a une MMR de merde. Attends, je regarde ce MMR. Ah, il est pas le coffre. Et du coup. Ah, c'est quoi ce coffret là? Ouais, il est MMR de Silver 2, 3, quoi. Ah bah. Ça me baisse un peu ça. Voilà. Alors, ici. Ben, il me reste juste de là à vérifier. Parce que... Ah, on a juste 100% de victoire. C'est ce qui a marqué sur les deux derniers jours. Ouais. Enfin, sur mon super, t'inquiète. Ouais, c'est très bien. Ça détend un peu des fois de jouer. Du moment que, bon, j'ai envie de dire. Les amis te décident de pas trop casser les couilles, ouais. Moi c'est tout le temps. Alors, comment y aller là? C'est quoi ça, Overwatch Log GG? Ah ben voilà, comme ça en fait. Hop là. Putain, mais non, mais et pourquoi il fait ça? Hop, ah voilà. Voilà. Après, il me reste que des coffres qui sont vraiment cachés, quoi. Là, ils sont dans un endroit spécifique. Ouf. J'arrive ou je vais éviter de me cracher. Ok, alors celui-là, il est soit il est là. Ah ben il était là. Alors, il me reste des coffres qui sont ok. D'accord. Les coffres qui sont dans le puits, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, une statuette. J'aurais lu, t'as récupéré. Diane, ok. Allez, c'est parti. Allez, une douche me fera du bien. À plus tard. Enfin, tout de suite plutôt. J'ai tellement envie de regarder un animé, quoi. J'ai un dernier épisode de Revels, mais là. Peut-être que je devrais aller voir ce film que je voulais voir à la base. Du coup, t'as encore perdu le destin. Bah, il y a de grandes chances, on rattrape, Murenek qui retroll, donc. Troll dans quel sens? Bah, je sais pas, il y avait Jax, il meurt, puis il nous spam ping. Genre, pourquoi vous êtes pas venu nous m'aider alors que les ennemis étaient en train de péter notre base? Mais voilà quoi, putain. Là-bas. Vraiment dégueulasse. C'est du 3v5 cette game. Allez, on va faire. Quelle heure il est?
Ouais, ça va, j'ai encore un titan pour faire la mémoire génétique. J'en ai marre. Ok, les gars. Hop. Aspect. Oh, Yomiko, salut. Bienvenue. Bon, on se détend tranquille, là, ça s'inscrit de... Là, pour l'instant, on essaie un peu de terminer un peu les trésors, les coffres, quoi. C'est 330 coffres dans le jeu, quand même, c'est épique. Je crois que j'en suis amélioré à 100, une centaine, à mon avis. Bon. Après, certes, là, je vais partir sur la mémoire génétique. Je vais partir sur les missions principales, là. Voilà, ici, hop. D'accord. Alors, ouf. Ah quand même. Alors, elle est où l'entrée déjà que je me rappelle bien. Oh mon dieu, quelle horreur. Alors, je crois que j'ai débloqué l'entrée de la grotte, mais je me rappelle plus où elle est exactement. Oh, tu veux piloter un X-Wing là, bordel! J'espère qu'il y en aura dans Battlefront 2, mais genre hors combat. Oh, enfin, une plume! Bon, vas-y, pouf! Aspect, là. Une dizaine sur 100 déjà. What? Ok, d'accord, très bien. Alors. Je sais plus où est exactement l'entrée de la du puits. What? D'accord. Alors. Je suis en un endroit mais je me rappelle plus où exactement. Je sais qu'il y a une entrée secrète et là où ils sont à peu près tous les coffres quoi. Et je crois qu'il faut suivre les. Voilà, c'est l'entrée de la villa. L'entrée principale de la villa. Alors. Ouais. Wow. Alors, je pense. Ulti strong in this one. L'entrée déjà que je me rappelle. Ah non. Non plus. Elle est où cette entrée? Ah la voilà, elle était là l'entrée. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste. Ah bah, plus que coffre là. Ouais, ça y a une échelle, donc on peut se. Ah, pff, ah bah, rater l'échelle, bien sûr, évidemment. Mais. Ah
Tu as attrapé l'échelle? Merci. Alors maintenant il y a une deuxième entrée je crois, si j'ai pas de bêtises, ou je sais plus où c'est, ce petit coffre par là. Est-ce que je l'ai déverrouillé ou pas? Ah ben, alors, serait-ce pas un cul-de-sac ça? Justement. C'est un cul-de-sac. Ah, il était là. Et le dernier, qui est juste là. D'accord. What else? Bon d'accord. Alors, hop. Ok, donc ça veut dire qu'il est dans la villa. À cette hauteur-là. D'accord. Ah ok. D'accord. Allez, tous les coffres c'est fait. C'est parfait. J'ai vu qu'il y avait une plume qui traînait dans les parages. Ici. Alors, est-ce qu'on peut l'acquérir? Comme ça. Non. Bon, c'est pas grave. On va juste faire ça et ensuite on va faire la quête principale. On a une demi-heure pour faire la quête principale. Une des quêtes principales, c'est pas mal. Un petit peu d'argent dans le coffre. Oh, allez, on va prendre tout ça. C'est mon argent après tout. Allez, on va rénover quelque chose. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Oui. Alors, je veux une banque à niveau 3. Voilà. Ouh, coûte cher. Bon voyage. Tiens. Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre? Alors, on est au des revenus. Ouais, on est pas mal là. Ouais, on est bien. Allez. À bientôt, Ezio. C'est parti, on va faire de la quête principale. On va revenir à Florence.
ne trouverez que des produits de qualité. Vous avez besoin d'un docteur ? Allez, c'est parti pour la quête principale. Allez, c'est parti. On va continuer tout ça. Bon, on a très bien avancé dans Assassin's Creed. Je pense que je dois être à 20% du jeu, si je dis pas de bêtises. Toi. Ça la quête. Je suis en train de tomber comme une grosse crêpe en plus. Ah oui. La seigneurie a appris que de jeunes hommes s'amusaient à escalader certains bâtiments de la ville. Cette activité. Oh, vers ça. Vous ne trouverez pas de meilleur prix qu'ici. Oh, ouais, ben voilà. Allez, c'est parti. Ezio, tu es toujours en vie? Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces deux dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide, si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Tu en as trouvé une autre. Très intéressante. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh. Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des plans, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir? Oh, bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà. Mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hé, Vincenzo! Il faut donner l'exemple. Allez, c'est parti. Technique d'assassinat. Allez, alors la première assassinat c'est resté caché. Voilà. Ça, ça s'appelle l'assassinat caché. L'autre. Nous informons tous les membres de la corporation de la soie. C'est l'assassinat depuis une corniche. Depuis une petite corniche. Là.
Et la troisième tenue d'assassinat. Comme j'ai dit sur les autres plages du codex, j'ai eu un peu plus de santé. J'ai réussi. Viens vite. Regarde. Tiens, essaie-le. Merci, Leonardo. Il n'y a pas de quoi. Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée? La Volpe. Le renard? Chut. Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de ce renard? Eh bien, près du mercato, où vivent les voleurs. Sois prudent, mon ami. Allez. La réputation de nos articles n'est plus à faire. Nos armures et nos prix. Peuple de Florence! Un message de la corporation des Léniers. Ouais, là, on a maîtrisé les techniques d'assassinat. Alors, ici. Le Mercato Vecchio. Centre des activités commerciales de Florence, le Mercato Vecchio, vieux marché, suffisait aux besoins de tous les habitants. Citons Antonio Pucci, un poète florentin du 14e siècle. Dans les échoppes du pourtour, on peut trouver des médecins capables de guérir tous les maux, ainsi que les toiles de lin et des lignes, des charcutiers, des vendeurs d'épices. Et des vendeurs d'épices. À l'emplacement du mercato se trouvait... Hein? On est samedi là. Oui, on est samedi. On vient d'être samedi, ouais. À l'emplacement du mercato se trouvait jadis l'ancien forum romain. Les premières références à un marché à cet endroit remontaient à 1030. Les denrées de base. Les dialogues comme ça. Les dialogues juste des lieux, mais une fois quoi. Les denrées de base provenant de la campagne. Comptez parmi les biens. Super les quoi. Évidemment, suivi par la laine. Super intelligent quoi. Ouais. Cependant, les acheteurs se détournèrent peu à peu des denrées de base pour d'autres saveurs. Pour citer Panormita, un autre poète du 15e siècle cette fois, toute proche est la bande de ton chemin. Et les joyeux rondelles aussi, que tu retiens mieux justement. Qu'on repère aux odeurs qu'il exalte. Alors. Il faut que je trouve la Volpe. Cible repérée. Ah oui, parce que j'ai une double lame d'assassinat. Ah oui, tu l'as dans la main droite et gauche. Ça y est, ouais. Quoi? Ma bourse, mon argent! Ton argent! Je ne l'ai pas, ton argent! Ça fait bizarre, il est encore jeune. Reviens ici! Non, toi, viens! Viens par là! Je ne tiens vraiment pas à te faire du mal. Alors rends-moi mon argent et n'en parlons plus. Pas si vite. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? On m'a affublé de tous les noms. Meurtrier, égorgeur, voleur. Mais toi, tu peux m'appeler la Volpe. À votre service, Messer Ezio. Comment connais-tu mon nom? Rien de ce qui se passe dans cette ville ne m'échappe. C'est pour ça que tu es là, non? Exact. Je recherche quelqu'un. Je veux être informé de tous ses faits et gestes. Qui? Francesco De Passi. D'après la rumeur, une caravane en provenance de Rome vient tout juste d'arriver. Une rencontre secrète aura lieu ce soir à la tombée du jour. Si tu y assistes, tu apprendras peut-être où est Francesco. Sais-tu où cette rencontre se tiendra? Ah, bien sûr. Je t'y conduirai quand tu seras prêt. Fais-moi signe. Ah, oui. Voici ton argent. La chasse au renard. Et je suis prêt. La Volpe. Oups. Suis-moi. Il ne faut surtout pas traîner. Tu seras à la hauteur?
Ne t'inquiète pas pour moi. Et allez, on se retrouve là-bas. La Volpe. Les livres d'histoire n'ont conservé pratiquement aucune trace de la Volpe, le renard. Ce nom était bien évidemment un pseudonyme, mais on ignore à peu près tout sur celui qui le portait. Les quelques données disponibles en font un personnage quasi mythique. La Volpe aurait dérobé des objets dans le coche du pape sans que ce dernier, pourtant assis à l'intérieur, et ses gardes ne remarquent rien. Et lui, en 1467, on l'aurait aperçu sur les toits du palais de la seigneurie, du palais Médicis et de Santa Croce, tout cela au même moment. Certains prétendaient qu'il était immortel et d'autres que ses yeux violets lui permettaient de voir à travers les murs et ainsi repérer son futur butin. D'accord. Et c'est parti pour la petite... Tu fais, je t'ai demandé de me suivre. Mais si je te suis, ah voilà. J'aurais dû faire par en haut. Oula! Mais c'est pas grave. Ça revient quasiment à la même chose. Nous y sommes. Francesco De Pazzi va retrouver ses complices à l'intérieur de cette église. Comment vais-je entrer? Il y a des catacombes creusées partout sous la ville. Elles te conduiront à un endroit d'où tu pourras espionner leurs conversations. Agrippe cette poignée, fais la pivoter. Et glisse là vers le bas. Merci de m'avoir aidé, Volpe. Buona fortuna. Le cheval italien, buona fortuna. Oh là. Merde. Tiens, allez, meurs. Bon, encore plus simple. Allez, meurs. 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 Voilà. Comment tuer des cibles plus facilement? BX, BX, BX. Allez, c'est parti. Secret de nouvelles. Allez, c'est parti. Alors évidemment, dans cette zone, on est connu. Ah oui, oh purée. Alors. Hmm.
Alors, c'est parti. What? Oula. Alors, je me suis déjà manqué. Très bien. C'est pas grave, il y a toujours moyen de rattraper tout ça. Pas bien. Alors. D'accord. Bon, en fait, je me suis manqué. La 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 la. Eh ouais, les catacombes. Très personnel comme endroit. Alors hop, hop, hop là. Très bien. Ensuite. Alors hop, hop. On va se bien se mettre. Hop là, hop là. Hop, hop là. Voilà. Il faut aller tout droit, il faut aller par ici. Hop, hop. Hop là. Devoir rester ici, Saverio. Il fait pas très chaud. De quoi tu te plains, Hilario? Messer Pazzi nous paie grassement pour surveiller l'entrée. Et on n'a rien à craindre des morts. J'ai hâte de rentrer chez moi et de montrer à Hélène la petite fortune qu'on a empochée ce soir. Ici, c'est bloqué. Enfin, trouver un moyen d'accéder. Mais attention, on a des gardes. Et ils sont bien compliqués. Ben, pas trop compliqués de base. Mais bon. Il reste quand même assez pénible. Alors. D'accord. Pour commencer déjà. Il va falloir trouver un moyen d'escalader. On va escalader quelque part en haut un peu. Voilà, là, là, voilà. Attention, assassina! Hop là. Je le voilà, arrête. Meurs. Passager par là. Hop, ça tombe. Ah.
Zone secrète repérée. Et je l'avais jamais fait ça. Bon, en même temps, c'est pas tellement une zone secrète, mais bon, tant pis. Alors. Alors, il y a peut-être un truc que j'ai oublié de faire par là. Alors. Observons. Le meilleur endroit qui serait, ça serait ici. Pourquoi ? On va se garder ça. Et hop là. Courons, et voilà. En tout cas, l'effet de mouiller est vachement réussi. Voilà, vas-y, sécher. Séchage rapide. Alors, comme je me suis manqué. Alors, hop, 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 hop là, hop là. Hop. What? Non. Les bons bugs. Allez, on va recommencer, c'est chiant. Désolé. Merde, la porte. Reste aux aguets, je vais jeter un coup d'œil. Moi qui croyais que ce serait de tout repos. Je te dis qu'on n'aurait jamais dû venir. Au moindre bruit, je fonce à l'autre poste de garde, avec l'aide de Dieu. Et ensuite, on t'écorche et on t'ampute. Et on commence par les parties intimes, bien sûr. Alors lui, apparemment, il veut pas se rentrer, d'accord. Bon, tiens. Saverio, je vais revenir avec les autres gardes. Je suis plus rapide que lui. Plus vite. Oh, please. Pas question de rester ici. Sinon, il va me tuer. Mm-hmm. Oui.
Je crois que je suis prêt à faire. Non, non, non. Purée. Sapristi, pourquoi tu as fait ça? De rester ici, sinon il va me tuer. Je ne laisserai pas m'avoir. Oh non! Mais. Oui, je crois que je suis tiré d'affaire. J'ai sûr. Laissez-moi tranquille! Je suis poursuivi! En fait, arrêtez-le! Je peux pas le rattraper. D'accord. Chien. Allez, on va faire une erreur. Tenez-vous prêts. Avec nous, avec les paysans la dernière fois. Tiens. Oh là là. Alors lui, tu l'attrapes. Ah merde. C'est pas grave. Prime, voilà. C'est pas par là que tu vas. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos emanet sancti. Grazie, Padre. Bernardo. Tout est là. Épée, gourdin, hache, armure, arc. Nos hommes ne manqueront de rien. Dois-je en déduire que vous avez le consentement du pape? Il nous a accordé sa bénédiction, dans la mesure où personne n'est tué. Nous sommes prêts à nous rendre au dôme demain matin. Tout est en place, mais ça n'a pas été sans mal. Son idiot de frère ne cesse de changer ses plans. Ouais. Il faudra avant tout s'assurer que Giuliano ne traîne pas au lit et qu'il ira à l'église demain. Qu'y a-t-il, Jacopo? Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Impossible. Les Medici n'ont rien remarqué. Ils sont trop stupides ou trop arrogants. Ou un peu des deux. Je n'estimais pas nos ennemis, Francesco. Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils? Cette fois, rien ne viendra contrecarrer nos plans, maestro. Vous avez ma parole. Molto bene. Je dois vous laisser. Il se trouve que j'ai d'autres affaires à régler avant de rentrer à Rome. Messieurs, demain, une nouvelle ère s'ouvrira pour Florence. Puisse je comprends pas ce devenu quoi, mes persos. La sagesse nous guider. Et bon. Regardez cette statue. Il y a exactement la même dans la Villa Auditore.
Je crois que tu as découvert l'un des tombeaux d'assassins dont parlait l'oncle d'Ezio. Maintenant qu'on sait comment entrer, je vais marquer chaque lieu qui renferme un tombeau dans la base. En tous les coffres ont été déverrouillés. Et le premier joyau. Saucisse. Et voilà. Le sceau de Darius. Un sceau sur 6 a été retrouvé. Les 6 sceaux me permettront l'armure d'Altaïr. Le sacré Nonobel. Synchronisé. Je sais où et quand je peux trouver Francesco, mais... Qu'y a-t-il ? J'ai appris autre chose. Ils ont assez d'armes pour équiper une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Sisto est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il complote au juste ? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au dôme. Tous les Medici assisteront à l'office de dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident! Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu échoues, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Pazzi. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Puisses-tu seulement dire vrai? Oh, tombeau d'assassin. Les tableaux d'assassins, ils sont sur la carte que voici. Voilà, là il y en a un autre, je crois, qui est ici. Voilà. En total, il y a deux ici. Je crois qu'il y en a deux à Venise, et je ne sais pas bêtise, et deux à Forlì. Je sais plus exactement. C'est 2, 1, 1, 2, il me semble. Ouh, voilà. Bon, écoutez. Quoi, je suis déjà connu. Ah, d'accord. Ça va être de la santé également. Voilà. Bon, écoutez. On a fini pour cette quatrième partie qui a été un peu quand même longue. Bon, un peu de 3 heures. Bon. Les deux premières heures ont été, voilà, à rassembler tous les coffres, tout ça, les courses, les missions qu'on a fait la Toscane. Voilà. Donc, dans la cinquième partie, nous allons continuer la quête principale et évidemment arrêter Francesco de Pazzi. Et continuer sur la route pour jouer de mon retour. Donc du coup, je vous laisse sur là. On se retrouvera demain pour Fire Emblem Warriors. Oui, qui est sorti depuis hier et malheureusement j'aurais dû jouer à ceci hier soir, mais j'ai la version 3. On m'avait réservé la version 3DS. Et pas la version Switch, celle que je voulais. Bon, oh, putain, écoutez, portez-vous bien.